Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo essai de cette moto bécane que vous reconnaissez. On en parlera un peu plus après. Regardez, aujourd'hui le rendez-vous, c'est dans la vallée de la Maurienne en Savoie, c'est là qu'on est venu. J'avais attaqué une restauration de 3 mobilettes, si vous vous rappelez, une moto bécane 50 orange, une moto bécane type 40 grise et 7AV59. Donc voilà, j'avais filmé les deux premières étapes, on n'a pas pu filmer la troisième par manque de temps. Mais voilà, je suis venu aujourd'hui pour fignoler celle-là. J'avais un roulement à faire devant que j'ai fini et voilà, on est venu la tester. Donc voilà, belle machine, il n'y a rien à dire, elle est dans son jus. On l'allait vraiment laisser telle qu'elle avec un peu ce picot de roue et tout. On a juste fait un petit coup de nettoyage. Par contre, voilà, moteur, partie cycle a été revu. Alors, chose marrante, pour venir commencer cette vidéo, je suis monté ici par cette petite route qu'on voit et j'ai croisé une moto, une personne en train de restaurer une vieille moto qui était au bord du garage. Je pense qu'il allait faire aussi un essai, il avait quelques problèmes, on a discuté 2 minutes, j'ai continué ma montée. Et donc voilà, donc peut-être qu'on le recroisera tout à l'heure. En tout cas, c'est super plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir des vieilles machines comme ça sur nos routes qui roulent, ça c'est top. Allez, comme vous voyez là, on est à la montée, hein, on est sur la route d'un col qui va nous mener à 1200 mètres de mémoire. Et vous voyez, ça grimpe vraiment tranquillement, sans pédaler, hein. Je pédale pas. Et vraiment, ça monte, on force pas, on est parti tranquille, ça grimpe, ça grimpe. Et je suis pas la seule vieille machine à faire des tests sur la route. C'est bon du coup? Je sais pas, j'ai une deuxième qui attaque pas, mais je sais pas si ça vient. C'est un engin. Ouais, t'as réussi à repartir quand même du coup. Ouais, ouais. Ah bah c'est cool, c'est cool. Pas encore ça. Bon. Elle va pas y aller à la poussette. Allez, ciao. Ciao. Excellent les amis, excellent. Voilà, vous voyez, je suis pas le seul à tourner là, à essayer. Moi j'essaye cette brêle. Bon là que je vous expliquais qui n'était pas pour moi, hein. Et voyons, on tombe sur d'autres personnes qui eux sont en train de retaper des motos et qui essayent leur moto. Ce qui est plutôt cool, en plus j'étais venu dans ce coin pour rouler, pour profiter un peu des paysages. Bon là je me suis arrêté au col, donc pour en finir on est à 1210 mètres. Donc voilà, je suis parti de 700 mètres, je suis monté, j'avais pas pédalé. Ça monte nickel, franchement elle va super bien. Oh putain, regardez ce qu'il y a sur la route là. Oh, je pense que celui-là il est mort. Il a l'air d'être sur le dos, il est couac. Ah ouais, dis donc. C'est dommage, t'as un joli bébé, hein, vous voyez. Ah bah celui-là, il a dû prendre un bon coup dans la tronche. Un de moins, les amis, même si je les aime bien. Un de moins. Et c'est parti, là, fort la bise à la descente. Ah, ça what? I love motopecan. Alors voilà, j'en ai profité pour regarder, il y a quelques secondes, sur une petite pause photo, les statistiques de la mobilette. On a pris les côtes, on est monté à une moyenne d'environ 20 km/h. J'ai une vitesse maximum là en descente qui est à 62 km/h. Bien sûr, on la pousse pas, vous verrez que je suis pas non plus en tenue pour trop faire l'andouille. Mais voilà, cette machine marche vraiment bien. Allez, voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je suis désolé. Je sais que certains auraient voulu avoir la troisième étape de la restauration de ces différentes machines. J'ai pas pu par manque de temps, parce que vous savez, hein, filmer, faire les montages et en plus faire de la mécanique, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que ces paysages de folie. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.